Bonjour, Monsieur Ali Mobroukine, bonjour. Bonjour, Sylvie. Alors, l'ouverture du capital des banques publiques, le gouvernement rouvre ce dossier, a abandonné en 2007 et étudie actuellement cette option pour contribuer au financement du déficit financier évalué à plus de 18 milliards de dollars. Cette ouverture du capital va-t-elle permettre aujourd'hui de booster notre système financier? Alors, booster le système financier, il faudra certainement faire d'autres réformes de structure. Ce qui est incontestable, c'est que l'ouverture du capital d'un certain nombre de banques publiques va permettre à l'État algérien, dont le déficit, vous venez de le rappeler, qui est de 2381,5 milliards de dinars, ça représente quasiment 17,6% du PIB, ça va permettre à l'État de se désendetter, parce que en plus du déficit budgétaire, nous avons une dette publique interne qui est extrêmement importante et qui représente à la fin 2020 57,2% du PIB. Ça veut dire, Sourila, 8700 milliards de dinars. Notre pays a d'abord et avant tout besoin de se désendetter, c'est-à-dire de rétablir les équilibres macroéconomiques avant d'engager des réformes de structure réclamés depuis plus de 20 ans et qui ont toujours été différés pour des raisons politiques, sociales, idéologiques. Mais est-ce que l'ouverture de capital est aujourd'hui incontournable pour essayer un peu de combler ce déficit financier et la dette publique qui est évaluée à plus de 8700 milliards de dinars tel que vous venez de l'annoncer à l'instant, monsieur Ali Mobroukine? Oui, Sourila, parce que le problème, nous avons besoin pour développer notre économie que nos banques assurent l'intermédiation financière. Et on sait très bien, toutes les critiques reviennent. Le président de la République lui-même l'a déclaré le 19 août dernier en disant nous avons des guichets et non pas des banques. Donc nous avons besoin de réaliser l'intermédiation financière, donc d'avoir des banques qui prennent des risques, qui s'engagent, qui financent l'investissement. D'autant plus, Sourila, qu'en Algérie, il n'y a que le marché monétaire qui est le vecteur du développement de l'économie. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler du marché financier, mais il est atone. La capitalisation boursière algérienne est la plus faible des pays du monde arabe. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui compter uniquement sur le marché monétaire, c'est-à-dire celui des banques et des établissements financiers, pour accompagner aussi bien les entreprises privées et que les entreprises publiques, certaines se portent bien, et les PME, PMI, puisque le souci du gouvernement, il a été réaffirmé, est de contribuer à l'émergence d'un tissu de PME, PMI, de start-up, pour pouvoir créer des emplois et développer la croissance. Mais comment doit se dérouler aujourd'hui ce processus d'ouverture du capital ou de privatisation de ces banques publiques, puisque on sait que ce dossier avait déjà été examiné à l'époque de M. Benachnou, qui était à l'époque, en 2003, ministre des Finances. L'idée d'ouverture des banques publiques au capital privé ne date pas d'aujourd'hui. Le CPA, le Crédit Populaire Algérien, devait s'ouvrir à l'actionnariat privé à hauteur de 51% dès 2007. L'option avait été validée par le CPE du 14 juin 2003, à l'époque où M. Benachnou était ministre des Finances, mais l'option a été abandonnée courant novembre 2007 en raison du retrait de certaines banques postulantes. Et vous avez aussi, par rapport à la BDL, l'ouverture de capital à hauteur de 30%, qui avait été également envisagée, mais le processus n'a jamais débuté. Comment doit se faire ce processus aujourd'hui, puisqu'on reprend les dossiers antérieurs datant des années 2000? Vous avez fait un rappel très, très rigoureux et très précis de la genèse de la privatisation. Je voulais au passage vous dire que dans l'accord d'association que l'Algérie a conclu avec l'Union européenne en avril 2002, la privatisation, l'ouverture du capital d'un certain nombre de banques publiques était mentionnée. C'est-à-dire que l'Algérie s'était engagée à privatiser quelques banques, établissements bancaires. Et les raisons, Sourila, sont nombreuses. Il faut dire qu'au moment même où la privatisation du CPA était quasiment acquise, il y a eu la crise financière internationale de 2008,
L'Algérie n'a pas voulu prendre de risques en disant... La crise des subprimes. La crise des subprimes, et donc elle n'a pas voulu prendre de risques parce que toutes les banques qui étaient candidates à l'ouverture du capital étaient plus ou moins affectées à des degrés divers par cette crise. Par ailleurs, Sohila, quand vous voulez céder une partie du capital, qu'il s'agisse des banques ou des entreprises, il y a évidemment toute une négociation, il y a l'évaluation qui est faite par le cédant, et généralement le cédant essaye de mettre en évidence les points positifs, et puis il y a l'évaluation à laquelle procède le cessionnaire. Et là, il y a eu évidemment une grande différence entre les exigences de l'Algérie par rapport au CPA, BDL, etc., et les exigences des candidats à la reprise de la banque. C'est très difficile de privatiser ou d'ouvrir le capital des banques publiques. C'est beaucoup plus difficile que la privatisation totale ou partielle des entreprises publiques. C'est pour cet ensemble de raisons que le projet a avorté. Alors la question qui est posée, est-ce qu'en 2020-2021, nous pouvons ouvrir le capital de ces banques avec deux objectifs, si vous permettez, Sohila? D'une part, de contribuer au désendettement de l'État, nous avons besoin de nous désendetter, et d'autre part, de garantir cette intermédiation financière qui fait que nous avons besoin d'avoir des banques indépendantes, nous avons besoin d'avoir des banques... Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Finances, a déclaré en septembre dernier qu'il n'y aura plus de politique, que les banques ne feront plus de politique. Ce sont des déclarations du ministre des Finances lui-même. Ça veut dire que les banques devront se déterminer en fonction de la bancabilité des projets que leur soumettent les différents opérateurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Oui, mais si on revient un peu à la genèse de cette question, vous dites aujourd'hui qu'en 2007, le gouvernement n'a pas voulu prendre beaucoup de risques parce qu'il y a eu la crise des subprimes. Il faut aussi reconnaître à l'époque qu'on n'avait pas, l'Algérie avait abandonné l'ouverture du CPA qui avait été validé par le CPE du 14 juin 2003 en raison du retrait de certaines banques postulantes. Aujourd'hui, comment trouver des repreneurs étrangers et algériens de telle sorte à reprendre un certain nombre d'actionnariats, puisqu'il est prévu, peut-être, si on reprend tel quel le dossier de 2003, 51% de l'ouverture du capital déjà du CPA et 30% pour la BDL. Il y a aussi la BADR. Oui, Sohila, vous avez raison. Des repreneurs, comment faire? Oui, le gouvernement n'a pas annoncé la reprise d'une partie du capital des banques publiques par hasard. Il y a des contacts qui sont pris avec un certain nombre de banques et des consortiums de banques étrangères qui sont intéressées par la reprise de certaines des actifs de certaines banques publiques. Donc nous n'aurons pas, si vous voulez sourire là, nous n'aurons pas de difficulté à trouver des repreneurs parce que des contacts ont déjà été pris. Alors évidemment, on ne veut pas donner les noms des repreneurs parce que c'est encore la négociation, elle est couverte par le secret des affaires, mais il y a des repreneurs. La question qui va se poser, c'est de savoir à quel prix nous allons céder ces actifs. Comment les évaluer? Puisqu'il y a une seconde plutôt qui a été faite en 2015 par la Bourse. Oui. Il s'agit de savoir est-ce que l'ouverture du capital empruntera le canal de la Bourse, n'est-ce pas? Je ne suis pas certain que c'est la formule qui sera retenue. Peut-être que ce seront des cessions de gré à gré. Comme je vous l'ai dit, Sohila, le marché financier algérien est dans une situation calamiteuse, hein, de l'aveu même de du responsable de la Bourse, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas par le marché financier qu'on pourra valoriser les banques susceptibles d'être privatisées. On risque de buter sur le prix. Je voulais vous dire une chose, Sohila. Quand vous êtes candidat à la reprise d'une banque, partielle ou publique, vous ne prenez pas simplement en considération les éléments de cette banque. Elle se porte bien, le CPA se porte très bien. La BEA aussi. La BEA aussi. Mais vous prenez en considération l'environnement dans lequel évoluent ces banques.
Ça, c'est très important. Se déterminer uniquement en fonction de la valeur du CPA ou de la BEA ou d'autres banques, ça veut dire que le repreneur considère que l'environnement macroéconomique, le climat des affaires, la bureaucratie vont l'aider à réaliser cette intermédiation. Là, il va poser des questions. Et c'est au gouvernement algérien de lui apporter toutes les assurances. C'est-à-dire que non seulement il pourra reprendre les actifs des banques, mais également évoluer dans un environnement attractif, favorable, ce qui, hélas, n'a jamais existé jusqu'à présent. Oui, mais vous le dites, hélas, ça n'a jamais existé jusque-là, l'environnement des banques par rapport à la situation que nous avons vécue. Nous n'avons pas tiré les enseignements nécessaires par rapport à ce que nous avons connu précédemment, l'affaire Khalifa, avec tout ce que, bien sûr, ça a causé comme tort aux banques algériennes. Également, par exemple, si on revient aux scandales aussi qui ont un peu éclaboussé les banques par rapport aux crédits supérieurs aux garanties, on se souvient tous de l'affaire Tonic Emballage, où même le responsable de la banque avait été poursuivi judiciairement. Et actuellement, nous avons une banque qui a été complètement siphonnée, qui a accordé un prêt plus que faramineux, l'équivalent de 18 milliards de dollars, à un opérateur qui est aujourd'hui poursuivi en justice. Comment faire, Est-ce que cette image vraiment aujourd'hui n'a pas entaché nos banques? Si, bien sûr qu'elle a entaché, elle continue d'impacter négativement les velléités de reprise. Votre question me donne l'occasion de rappeler une chose, Sourila, il faut que la Banque d'Algérie, qui est la banque des banques, soit totalement indépendante. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Non, elle n'est pas indépendante. Et moi, je plaide en faveur de l'abrogation de la loi monnaie-crédit, qui a été d'ailleurs, sa modification a été suggérée par le ministre des Finances de l'époque, qui considérait que le gouverneur de la Banque d'Algérie avait trop de pouvoir par rapport au ministre ministre des Finances. Moi, aujourd'hui, je plaide pour que la Banque d'Algérie soit un superviseur intransigeant, comme c'est le cas de toutes les banques centrales, Zoïla, et que que la Banque d'Algérie veille au respect par les banques commerciales, ce n'est malheureusement pas le cas, d'un certain nombre de critères et de règles prudentielles, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de ratios soient appliqués rigoureusement. Or aujourd'hui, c'est malheureux de le dire. Mais c'est une réalité. Les banques publiques échappent au contrôle de la Banque d'Algérie. Sourila, il faut le dire, il faut dire clairement les choses. Si nous voulons tous que notre pays se redresse, et nous voulons aussi que le gouvernement réussisse dans sa mission, pour cela il faut prendre les bonnes mesures. Ça passe par l'octroi de plus de pouvoir au gouverneur de la Banque d'Algérie, mais également par la réactivation du rôle de la commission bancaire qui doit contrôler les banques et s'assurer que les ratios prudentiels sont appliqués dans les affaires dont vous venez de parler et dont les responsables sont aujourd'hui poursuivis par la justice. Certains ont déjà été condamnés. Les ratios prudentiels, le ratio de liquidité, le ratio le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel n'ont pas du tout été pris en compte. Et à donc, telle enseigne que certains montants n'en risquent pas d'être recouvrés. Hélas. Là, les créances sont énormes, et c'est des créances pourries, comme on dit, dans le vocabulaire des banquiers. Et bien entendu, il faudra aussi contraindre les banques avant qu'elles ne n'accordent des crédits, de prendre les sûretés réelles et personnelles qui permettent aux banques, évidemment, de s'assurer de pouvoir limiter les risques liés aux créances non performantes. Mais comment trouver aujourd'hui des repreneurs potentiels? Est-ce qu'il va falloir explorer parmi les Algériens qui ont du capital de telle sorte à investir dans les banques? Et comment faire en sorte à ce que les détenteurs de ces capitaux n'exercent pas les mêmes pressions précédentes sur les banques? Alors, vous voulez dire, est-ce que les banques publiques algériennes pourraient être, par exemple, est-ce qu'on pourront candidater pour leur reprise des Algériens? Vous voulez dire des Algériens de l'intérieur ou des Algériens de la diaspora? Tous les Algériens, sans exception. Aujourd'hui, le capital social d'une banque, c'est 20 milliards
de dinars? Est-ce qu'il y a des Algériens qui sont capables de reprendre une partie des actifs des banques publiques? Je crois que oui, je crois que oui. Et beaucoup d'Algériens aussi de la diaspora. Monsieur Ali, professeur Ali Moubaraki, moi je voudrais revenir avec vous sur la question, bien sûr, de l'ouverture du capital des banques publiques. Un dossier rouvert aujourd'hui, après qu'il ait été classé en 2007. Bien sûr, on parle aujourd'hui de la nécessité de financer le déficit financier, évalué un peu plus actuellement de 18 milliards de dollars, voire 20 milliards de dollars. Quel type d'assurance pourrait donner aujourd'hui l'État pour trouver des repreneurs ? Les mêmes assurances qu'il doit donner pour les repreneurs des autres entreprises publiques. Si elles devaient être privatisées. Si elles devaient être privatisées. Soit il apporte, je note que le montant de la dette publique interne de l'Algérie est quasiment l'équivalent des sommes qui circulent dans le marché informel. C'est-à-dire on est presque à 80 milliards de dollars. Vous imaginez un peu comment capter cette... ces masses énormes qui sont dans le circuit informel, mais s'il s'agit pour le gouvernement algérien d'encourager des repreneurs pour les banques, il doit leur donner des garanties. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'indépendance de la Banque d'Algérie, c'est déjà très important. Le fait qu'il n'y aura pas, il y aura de la part gouvernement une facilité, c'est-à-dire faciliter aux banques l'ouverture d'agences créer aussi, permettre aussi et développer aussi en même temps le marché financier qui est connecté au marché monétaire et bien entendu donner des garanties. S'il s'agit de banques étrangères, il y aura évidemment la question des dividendes. Là, je voudrais, peut-être ça sera l'objet d'une autre émission, mais nous avons besoin de revoir notre réglementation d'échange. Elle n'est plus adaptée à l'ouverture actuelle de l'économie algérienne. Si nous devons demain accepter des repreneurs étrangers, nous devons également revoir notre réglementation d'échange. Et donc, ce sont les garanties que l'on peut donner. Maintenant, la question qui est posée également, est-ce qu'il y a trop de banques publiques en Algérie? Est-ce qu'il y a des banques qui ne pourraient pas être viabilisées par, j'allais dire, une absorption, fusion, acquisition de telle banque qui pourrait reprendre des banques qui ne sont pas aussi performantes qu'on le croit? Il ne faut pas oublier non plus que trop de banques pourrait poser un problème de profitabilité des banques. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le nombre de banques qui sont sur la place d'Alger, ça permet évidemment de créer de la concurrence, mais tout en évitant qu'il y ait trop de banques et d'établissements financiers, sans quoi évidemment la profitabilité de ces institutions serait moindre. Il y a un équilibre. Je ne suis pas au courant, Sohila. Actuellement, il y a des arbitrages qui seront rendus dans les semaines qui viennent afin de voir s'il n'est pas utile de regrouper un certain nombre de banques dans une banque de manière à limiter aussi le nombre de banques. Il faudra aussi, j'allais l'oublier, revoir complètement le statut de la CNEP. Considérer que la CNEP doit revenir et doit avoir le statut qu'elle avait avant d'être transformée en banque en 2000. Oui, mais justement par rapport à cette fusion, c'est une option qui avait été aussi envisagée puisque le ministre Ayman Ben Abdelrahman l'avait clairement indiqué. Il y a aussi parallèlement ce qui est relevé sur notre marché, par exemple bancaire. Nous avons 5 banques publiques qui détiennent pratiquement 90% du marché. Elles dominent pratiquement le marché financier actuellement. C'est la raison pour laquelle il y a aussi cette option éventuelle d'aller vers la création de banques privées. C'est possible ? Bien sûr que c'est vrai. On a eu une expérience malheureuse par le passé, on a fermé le marché. Ça vous voulez parler de Khalifa? Oui, non, je pense que Souhila, je ne pense pas que le spectre de Khalifa puisse être brandi aujourd'hui. C'est une affaire qui est réglée, il n'y aura pas de deuxième
de deuxième cas de Khalifa, c'est hautement invraisemblable. En revanche, c'est vrai, vous avez dit 90%, 86%, 87% des crédits, c'est anormal, il y a un déséquilibre manifeste. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement revoir, regrouper les banques, mais aussi, Sourila, et il y a un autre problème que je voudrais quand même, sur lequel je voudrais insister. Il n'est pas normal que les banques algériennes prêtent de l'argent à des entreprises publiques qui sont dans une situation extrêmement difficile. Sonelgaz ? Oui, mais alors Sonelgaz, Samhidi, Sonelgaz, 1000 milliards c'est un de cas, dinars oui, de dette. Oui, c'est une entreprise. Oui, mais c'est une entreprise publique, il y a une mission de service public. C'est une entreprise un peu particulière. Mais qui est déficitaire et qui aura du mal à rembourser. Oui, ça c'est certain. L'État devra peut-être encore mettre la main à la poche. Mais je parle des entreprises publiques du secteur concurrentiel. Je crois qu'il est anormal que le Trésor rachète systématiquement les déficits abyssaux des entreprises publiques, et les banques sont d'autant moins réticentes à payer qu'elles sont assurées que le Trésor va pouvoir les rembourser, principal et intérêt. C'est une situation qui est profondément anormale. C'est des entreprises maintenues en perfusion. Est-ce que, parallèlement aux banques, il va falloir aussi, par rapport pour combler un peu le déficit, envisager la privatisation de certaines entreprises ? Oui. Oui, il y a des entreprises publiques. Mais là aussi, il faut voir que. Mais personne ne voudra reprendre aussi une entreprise qui est en difficulté. Les entreprises qui sont. Tout le monde zoome sur Sonelgaz, sur Sonatrach, sur Cosider, sur les grandes entreprises qui sont viables aujourd'hui. Oui, Sonelgaz, Sonatrach viable. Je ne crois pas que les entreprises qui sont stratégiques puissent être privatisables ou susceptibles d'être privatisées. Mais vous avez des entreprises qui se portent bien, hein, Cosider Construction, par exemple. Vous savez, on n'est pas obligé de reprendre un groupe d'entreprises. On peut prendre une filiale d'un groupe d'entreprises. Il y a des filiales de groupes publics qui se portent bien et elles peuvent être candidates. Des candidats peuvent se présenter pour les reprendre. La construction, ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire du privé aussi. Comme cela se passe dans tous les pays du monde. Oui, c'est la raison pour laquelle... Les hôtels, l'État pourrait se débarrasser. Bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, une filiale comme Cosider Construction devait entrer en bourse et ça n'a pas été possible pour des raisons d'ailleurs qui n'ont jamais été expliquées. Mais là, l'État doit se désengager. C'est une... vous savez... L'État doit revenir à sa mission régalienne de régulateur de marché et non pas opérateur. Il doit être un régulateur, d'autant plus que là aussi, on n'a pas eu le temps de l'apporter. Quand on est associé minoritaire, Sourila, on le voit même dans d'autres pays, l'État est un mauvais actionnaire. Parce que quand il a une part du capital, il a tendance à ce qu'on appelle en anglais un sleeping partner. C'est-à-dire qu'en fait, il a cédé une partie, il ne s'occupe plus de la gestion. C'est comme ça s'est passé pour l'Hajar, pour d'autres cas. Donc là aussi, il y a un pacte d'actionnaires qui devra être conclu, puisqu'on privilégie l'option de la privatisation partielle. S'il y a un pacte d'actionnaires, celui qui lie le cédant au cessionnaire, eh bien le cédant doit pouvoir jouer son rôle d'actionnaire minoritaire. Mais est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait éventuellement aussi créer un marché financier attractif en reboostant la bourse, pousser par exemple certains opérateurs aujourd'hui privés à peut-être céder une part de leurs actions, parce que toutes les entreprises, même les grands groupes existants actuellement privés, c'est des entreprises familiales, de statut familial. Alors, Sourila, le fait qu'en Algérie, la plupart des entreprises soient des entreprises familiales n'est pas vraiment un obstacle, parce que vous avez dans le monde occidental, beaucoup de grandes entreprises qui sont des entreprises familiales. Le problème, c'est la transparence. On ne peut pas obliger une entreprise à entrer en bourse. Et lorsqu'elle veut entrer en bourse, tous les bilans doivent être transparents. On doit pouvoir donner des garanties à ceux qui vont emprunter. C'est un marché qui doit être liquide. Donc la
liquidité du marché, nous avons besoin d'avoir un marché primaire et un marché secondaire. N'oubliez pas, Sohila, que NCA Rouiba s'est retiré de la bourse. À un moment donné, Alliance Assurance avait envisagé de se retirer de la bourse. Donc, simplement pour ne pas donner une image négative de la bourse d'Alger, on a quand même demandé à Alliance Assurance de rester dans la bourse, mais NCA Rouiba qui a été reprise est sortie. Donc, on ne peut pas obliger des entreprises... Reprise par un opérateur étranger. Par un opérateur étranger. Mais l'État, pardon Zoïla, l'État peut encourager un certain nombre de grandes entreprises qui se portent bien à entrer en bourse. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette volonté aujourd'hui de s'ouvrir et d'ouvrir le capital, de libérer un peu l'économie, puisque c'est aujourd'hui constitutionnalisé, c'est affirmé encore une fois de la volonté de l'État d'aller vers un marché beaucoup plus attractif pour sortir un peu de la rente pétrolière, puisqu'à la fin de l'année, nous allons perdre quand même l'équivalent de 14 milliards de dollars en termes de recettes pétrolières, donc on ne peut plus compter exclusivement sur le pétrole. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi modifier certains textes qui sont aujourd'hui très restrictif comme le code des investissements? Oui, le code des investissements va sortir bientôt. On l'annonce depuis quelque temps déjà. Oui, enfin le ministre de l'Industrie a parlé de la fin de l'année, mais Sohila, le problème, vous avez parlé d'attractivité. Attention, le terme attractivité, il doit être expliqué. On a pensé depuis le code de 1993, vous voyez, je remonte 27 ans en arrière, qu'il suffisait d'accorder des incitations fiscales, des exemptions, pour que l'investisseur vienne. Non, Sohila, les investisseurs étrangers ne sont pas sensibles au nombre des incitations et des exemptions fiscales. Ils veulent un marché qui soit stable, ils veulent une main-d'œuvre qualifiée, beaucoup plus qu'une main-d'œuvre à bon marché, ils veulent que le climat des affaires fonctionne, et ils veulent que leurs partenaires, et là vous me donnez l'occasion de revenir sur la loi 1913 régissant les hydrocarbures, quelle que vous avez reçu ici le ministre de l'énergie qui vous a parlé des 43 textes d'application qui allaient définir et qui allaient expliciter la mise en œuvre de la loi. Ils sont en train de travailler dessus. Exactement. Il a mobilisé 40 personnes qui travaillent sur la promulgation des textes. Voilà, il y aura 43 textes, c'est énorme. Mais encore une fois, Yesouila, les investisseurs dans le secteur des hydrocarbures, parce que les hydrocarbures, c'est la garantie du pouvoir d'achat international du pays au moins jusqu'à 2035, eh bien, ce ne sont pas uniquement les incitations fiscales, c'est la capacité de son attraque à changer sa gouvernance et à être un véritable opérateur économique au même titre que les compagnies étrangères. C'est ce qu'a dit effectivement M. Attal. Vous avez aussi, les opérateurs ont besoin de stabilité juridique. On ne change pas des textes du jour au lendemain. Non. C'est ça le rétablissement de la confiance par la stabilité juridique. Le président de la République a plusieurs fois insisté, le Premier ministre également, sur le fait que l'on allait élaborer des textes qui avaient vocation à rester stables. La stabilité des textes, mais pas seulement, Sohila, si je peux me permettre. Quand vous avez un texte qui est publié au journal officiel, tout le monde en prend connaissance. C'est très bien. Et on dit, mais les textes n'ont pas changé. Mais qu'est-ce qui est fait le problème de l'Algérie? Le problème numéro un de l'Algérie, ce sont toutes ces circulaires réglementaires... Clandestines, faut le dire. Oui, clandestines, parce qu'elles ne sont pas publiées. Et qu'on ne peut même pas invoquer devant la justice pour obtenir leur annulation dans le cas où ils sont contraires à des lois. Cessons de recourir aux circulaires réglementaires, contentons-nous de circulaires interprétatives, que cela est très important pour la stabilité du droit pour les étrangers. Ce n'est pas simplement l'intangibilité des textes publiés, c'est également le non-recours aux circulaires dites réglementaires. Mais pour booster l'investissement, est-ce qu'il faut aussi parallèlement mettre fin à cette disparité de la valeur du dinar entre l'officiel et l'officieux? Sur le marché formel, c'est tel montant, et sur le marché formel, c'est un tel montant. Ça aussi, ça porte préjudice à l'économie. Ça porte préjudice à l'économie. Par rapport au taux de change. Oui, mais vous savez, Sohila, nous, l'Algérie a opté pour un système de taux de change flottant qui permet à administrer, qui permet à la Banque d'Algérie d'intervenir pour soit déprécier, on ne parle pas de dévaluation, on parle de dépréciation
de la monnaie ou d'apprécier la monnaie. En fonction de quoi? La Banque d'Algérie ne le fait pas de manière arbitraire. Mais on dit qu'actuellement, la valeur du dinar est surévaluée. Oui, mais ça, c'est un débat, Sohila. Il y a des partisans, il y a ceux qui disent que le taux de change est surévalué. Sur la base de quoi? Nous devons également veiller à ce que les taux d'inflation, le taux d'inflation très important, quand la banque intervient pour stabiliser le taux de change, l'apprécier ou le déprécier, elle prend en compte les taux de change, le niveau des taux d'inflation avec les principaux clients de l'Algérie. Aujourd'hui, nous avons un taux d'inflation qui est raisonnable et je pense que le taux de change effectif réel du dinar, il est à son niveau qui me paraît satisfaisant. Mais est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un dinar beaucoup plus fort? Un dinar lourd, ça va être difficile. Sohila, dans le compte. C'est très difficile, il faut que l'économie redémarre. Ça va provoquer une inflation. Au départ, et il faut surtout que nous soyons capables de produire et d'exporter autre chose que des hydrocarbures. Alors, question de l'auditeur, comment a-t-on racheté la dette extérieure et non la dette intérieure? Vous avez abordé la question de la lourdeur de la dette interne, oui, équivalente pratiquement de ce qui circule sur le marché. Vous savez, ça remonte à plusieurs années. On peut effectivement obtenir le rachat de la dette extérieure avant l'échéance. Généralement, évidemment, les prêteurs ne sont pas toujours satisfaits, mais il y a eu des contreparties, c'est-à-dire qu'en même temps, on ouvre l'investissement pour les entreprises des pays dont on est les débiteurs. Donc c'est une contrepartie. L'Algérie a obtenu le remboursement anticipé de cette dette. En contrepartie de quoi? Elle a ouvert son marché. Alors, autre question, la fiabilité du mode de financement dépend des procédés de sa gestion. La finance islamique a été engagée avec les mêmes pratiques antérieures et bureaucratiques. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur? Rapidement, Monsieur Halim Broukine. Rapidement, je dirais que pour le moment, il faut former les personnes qui sont capables d'appliquer les règles de la finance islamique. Il ne faut pas oublier que la théologie de la politique de réhabilitation de la finance islamique, c'était de capter l'épargne qui était en souffrance, mais pour le moment, il est trop tôt pour évaluer l'effectivité, enfin l'impact positif de l'instauration de la finance islamique sur les flux monétaires et financiers. Alors, il faudra une vraie volonté de réforme avec des actes concrets et c'est ce qui manque à notre économie pour passer le cap et apprendre à se faire confiance entre nous. Ça, c'est important, la confiance. C'est très important, Sohila, on ne pourra pas relancer et redresser le pays si on n'arrive pas à mobiliser au moins 4 Algériens sur 5. Et donc, c'est au président de la République, au gouvernement, de multiplier les gestes de bonne volonté et surtout d'administrer la preuve que nous avons tourné la page des errements qui ont marqué les 30 dernières années. Mais quand vous parlez des errements, comment éviter les erreurs du passé? Comment éviter, par exemple, que les banques ne soient un financier d'un opérateur ou un deuxième en prenant bien sûr le téléphone? Non, ça, je on crois a perdu que... 18 milliards de dollars et ça a été étalé publiquement. Je crois que c'est fini tout cela. Hein. C'est fini. Hein. Il n'y aura plus de... Mais chaque fois on disait que c'était fini. Non, avec l'affaire Khalifa, fois... on a dit c'est fini. Ça sert de jurisprudence. Avec l'affaire Tony Cambalage, on a dit c'est fini. C'est jurisprudence. Et avec cette fois-ci, ça, on dit c'est fini. Quand est-ce que ça finira? Non, Sohila, c'est fini. Franchement, c'est fini parce que l'Algérie ne peut pas se permettre, sur le plan financier, sur le plan économique, du point de vue des engagements qu'elle a pris, elle ne peut pas se permettre le laxisme qui a marqué les 20 dernières années. C'est la raison pour laquelle moi je suis optimiste. Je suis optimiste pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique de tourner la page et d'ouvrir l'économie algérienne. La Banque d'Algérie doit jouer un rôle important dans ce domaine-là. On doit d'abord libérer la Banque d'Algérie, être totalement indépendante, ne pas dépendre d'aucune institution de la République, même pas le ministère des Finances. Pas le ministère des Finances. La Banque d'Algérie ne pourra exercer... Comme tous les pays du monde, les banques centrales. Oui, parfois, il y a quand même une collaboration entre le ministre des Finances. On voit mal un gouverneur de la Banque d'Algérie dire « je suis contre la relance de l'économie parce qu'elle est inflationniste ». Mais en tout cas, il n'y a plus d'injonction
qui sont adressées au gouverneur de la Banque d'Algérie. Il y a un conseil de la monnaie et du crédit, il y a une commission bancaire. La Banque d'Algérie doit être un superviseur intransigeant. Alors la réussite ne se fera que grâce à notre capacité de fédérer nos talents. La réussite, c'est les Algériens qui peuvent aujourd'hui la booster grâce bien sûr à cette confiance qui doit être réinstallée, mais moyennant des réformes et des réformes réelles avec une volonté réelle de changement. C'est le cas, vous partagez ce point de vue de l'auditeur? Bien sûr, je partage entièrement son point de vue. Il y a la nécessité de libérer les forces du travail, de permettre aux Algériens de prendre des initiatives. Ils peuvent le faire. De travailler, bien sûr, Sohila. Mais en même temps, vous me donnez l'occasion, c'est un point auquel je suis très sensible, il faut réduire les inégalités sociales, Sohila. Il faut réduire les inégalités sociales. Ça passe aussi par une augmentation du rendement de la fiscalité ordinaire. C'est la fiscalité ordinaire qui doit abonder les ressources du Trésor parce que la fiscalité pétrolière, elle a atteint ses limites. Professeur Ali Mabrouki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous c'est ce matin moi qui vous dans remercie, le studio. Sohila. Merci beaucoup merci. Et protégez-vous et bon week-end à tous les auditeurs algériens. L'invité de rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Vous êtes sur LGGN3, il est 8h53 dans la question internationale de ce jeu.